Today we have been analyzing the situation after the Berlin conference and how can the European Union engage more forcefully. And after analyzing the situation and several hypotheses of what can happen in the next days, we are charged the working bodies of the Council, the COPs, to present to the Council concrete proposals on how to implement this ceasefire and enforcing the UN arms embargo. Nous avons aussi discuté d'Israël. Nous sommes un acteur clé dans le domaine de la sécurité. Nous avons trois missions de politique de sécurité et défense commune. Et le Conseil aujourd'hui s'est mis d'accord pour augmenter cette coopération stratégique. Il faut absolument faire plus. Et ça sera l'objet de la conférence internationale que l'Union européenne va célébrer au prochain mois de mars en marge du Conseil européen. Le Conseil européen, au moment où il a pris acte, il a aussi chargé le haut représentant et à la Commission européenne de développer une diplomatie climatique de façon que cette ambition que nous avons soit partagée par les pays qui sont des grands émetteurs et qui vont l'être encore plus dans le futur. Donc il faut absolument que la contrainte climatique soit inscrite dans toute l'action internationale de l'Union européenne, en commençant par les accords commerciaux. By the way, I would like to announce you that President Juan Guaido, who has been recognized as the legitimate president of the National Assembly, will be in Brussels. I will meet with him on Wednesday.